Non, bonsoir, parce qu'on est sur un nouvel épisode, nouvelle vidéo, tout ça, tout ça. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur des mythes et légendes de bord de ciel sur la chaîne. On va aller s'occuper de ce trou duc là. Hop. Nouvelle vidéo du coup des mythes et légendes sur la chaîne qui suit la précédente du coup. Oh, bien ça. Qui suit la précédente. J'espère que vous allez bien. Moi, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Et puis voilà, hein, let's go. Hein. On va faire du gameplay. On va tuer les gens à l'arc. Classique, hein, classique. Je vais pas vous faire le topo sur les modes. Vous le connaissez déjà. Vous le connaissez déjà. Ah, il y a du monde à tuer là-dedans. Ah, ça se plante dans le machin, c'est une blague. Ouais, merci. Vient vers moi, lui. Putain, oui. Oh. Il a atomisé la chèvre. Il a atomisé la chèvre. Ah, la gifle qu'il vient de mettre à la chèvre. Ah, c'était violent. C'était tellement violent. Ah, ça a failli toucher. Tac, 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 tac. Ah, il m'a vu. Raté. Montre-toi. Minable. Aouh! Hey! Aïe! Bonjour. Aïe. Non, non, pas assez, tu meurs. Ah, ça c'est saoulant, putain. Déjà commencer par récupérer ça. Ah, ça y est, tu te montres. Oh non, non, pas assez, tu meurs. Oh, ouf. Ah, la colonne, dans la colonne vertébrale. On va se faire une collection de capes, vous savez quoi? Pas du tout buggé, c'est bien, c'est cool, c'est très très cool, hein. C'est pas, c'est cool. Il y avait une autre personne que j'ai tuée là. Il y en a deux, je crois même. Non, t'es toute seule. Faudra qu'on se fasse une armure de barbare aussi, mais ça je la forgerai moi-même. Peau de biche, des sacs. Ah, toujours bon à prendre, hein, c'est de la bouffe. On stockera ça à la maison. Ah ouais. Ça c'est quoi? C'est un tapis? C'est une peau de vache. Fort bien. D'accord, il est éclairé par les rayons de la lune. Une meule. Moulin à grains, très bien.
J'en ai déjà une, j'en ai pas besoin de 40 milliards. Des patates. Une meule. Du vin, de la vinasse. Tac, tac, tac. À quoi ici? Ah! Deux lingots d'acier, je prends. Épée d'Yalti. Bah écoute. Gigot, côtelette. Cuisseau de cheval, non. Cuisse de lapin. Je mange pas de cheval. Ah non, j'ai dit non. Ça par contre. Oh, très cool. Hop. Hop. Madame. Il faut pas faire ça. Faut pas montrer ses fesses comme ça. Ce n'est pas correct. Bien, bah, il semblerait qu'on ait vidé cet endroit. Bon, j'ai récupéré l'épée d'Yalti et je sais pas du tout ce que je dois en foutre. L'épée des Yalti. C'est quoi? C'est un objet de quête? C'est quoi? Je peux la larguer? Non, c'est... Ok, c'est un objet de quête, magnifique. Allons voir ce truc en face. La grotte en face ou la ruine. La ruine d'Oemar. Allons voir la ruine d'Oemar qui est un peu plus haut. Qu'est-ce donc un bazar? Qu'est-ce que. Un ours. Fort bien. Libre à lui. Sacrée ruine, ça. Est-ce qu'il y a du monde là-dedans? Il y a du monde. Je l'aurais pas d'ici. Il va falloir que j'aille la chercher. Bardzam. Attendez, parce que. Est-ce que... Non, si, si, si. Fort bien. On va se planquer. Jusqu'à temps qu'il nous ait perdu. Bien. Oh, la blague. Aïe. Ah, mais bah! Mais faut pas cracher sur les gens comme ça! C'est absolument dégueulasse, madame! Enfin! T'as quoi comme armure, toi? Ça a une certaine gueule, je dois admettre. Par contre, c'est des gantelets elfiques que t'as. C'est bizarre, hein, ils ont une drôle de couleur, tes gantelets elfiques quand même. Pour
Pourtant, c'est ça. Ils ont l'air dénaturés, c'est bizarre. C'est bizarre. Alors, je vais aller voir ça juste après, d'abord. Ok, y a rien. Alors, si vous étiez désinfecté, que vous étiez là-dedans. Ça doit être un troll vu la façon dont il est. Je ne peux pas rentrer. Il y a cette merde là. Ah, fait chier. On va aller voir à l'étage supérieur, on sait jamais. Attendez, parce que j'ai un doute quand même. Bizarre parce que je crois qu'elle en parle, hein. Ah! Ah, il y a quand même une entrée par là. Écoutez, on va aller voir, hein. Peut-être que ça concerne. Ah, putain, je peux pas. Pour le moment, je peux rien en faire ici. Fort bien. Eh bien, cassons-nous dans ce cas. Tirons-nous d'ici. Écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Pour le moment, je peux rien en foutre de cette ruine à la con. Donc, il y a des choses qui traînent là sur le teco là. Là-dedans là. Les portes sont défoncées. C'est le vide. Bon. Si quelqu'un sait, qu'il me le dise dans les commentaires. Pour le coup, c'est un lieu que je n'ai jamais pu explorer. Je crois que je crois avoir vu quelque part qu'il s'agissait d'une quête pour un Dédra, mais je suis pas totalement sûr. Là-bas, il y a un hôtel Dédric, du coup. Je vais aller voir. On va aller voir ça. Oui, j'ai 20 000 et oui, je voyage sans cheval parce que les chevaux crèvent et que j'ai pas de mode qui me permette de les rendre invincibles et que ça, du coup, bah voilà, ça m'intéresse pas. Aïe. On va aller voir cet hôtel à la Dédra là. Une route en bas. C'est un coffre qu'il y a dans la flotte ou quoi? C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est? C'est un animal crevé? C'est quelqu'un de creux? C'est quelqu'un qui est crevé? Journal. Ah, c'est dommage. Tué par des parjures. Triste ça. Triste pour vous, ça, madame.
Il a brûlé avec ses fringues, un minimum tout de même. Hop. Et on va aller voir cet hôtel là. Daedric. Attendez, bougez pas. Je fais une petite pause de 30 toutes petites secondes. Voilà. Désolé, petit SMS. Qui était pas au courant que j'étais en record. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dessus? C'est qui? C'est quoi? Oui, je t'ai vu. Salut. C'est des listes des cimes. J'ai de la poussière de vampire déjà sur moi. Rubis parfait, je dois avoir ça à la maison. Par contre, les grelots de la mort. Peut-être que j'ai ça aussi. Écoutez, on va faire un petit saut à la maison rapidement. On va aller chercher ça. On va voir ce qu'il nous veut. Hein. Ah! Évidemment. On va faire ça en 2-2, hein. Ça se trouve c'est le seul, c'est le moyen qu'il y a de rentrer dans cette espèce de truc là, dans lequel je n'ai jamais pu foutre les yep. J'aime bien les ruines d'Oemar, il y en a que ça angoisse, moi j'aime bien. Ça change complètement de décor par rapport à ce que ça peut être. Hop. Observez la rapidité des temps de chargement. Alors, des grelots de la mort, est-ce que j'ai ça là-dedans seulement? Oui. Un grelot de la mort et un grenat parfait? Ou rubis parfait? Rubis parfait, je crois. C'est ça. Hop. Eh bien, on va voir le miec, hein, écoutez. Est-ce que j'ai seulement de la poussière de vampire sur moi? Oui, bien, parfait. C'est peut-être ce moyen-là que j'ai de rentrer dans cette espèce de machin. On va voir. On va voir, on va voir. Oui, ben c'est bon. Ah, il me manque un lingot d'argent. Un lingot d'argent. Merde. Il m'a demandé un lingot d'argent, je suis pas fou. Un lingot d'argent, je dois avoir ça à la maison peut-être. J'ai oublié de regarder ça. Je dois avoir ça quand même. J'en ai tellement des trucs. Au pire, je dois pouvoir le faire. Bougeons-nous le fion. Est-ce que j'ai un lingot d'argent qui traîne? Oui, j'en ai. Parfait. Hop. Ouais, je vais tout livrer, t'inquiète. Hop. Hop.
Oui, les temps de chargement, ils sont à peine présents. Franchement, je suis très content. Si vous avez une, si vous voulez une solution pour grandement diminuer vos temps de chargement sur Skyrim, foutez-le sur AMD, vraiment installez-le sur AMD, regardez ça. Toi, attends. Une affreuse crevée ici, merveilleux. Ah! C'est pas grave. Par contre, t'as une gemme spirituelle qui m'intéresserait. C'est pas grave. La cache. T'as tout ce qu'il te fallait. Ah! C'est absolument dégueulasse. Oh, waouh! Respirez profondément. Je veux que vous m'entendiez bien. Alors laissez vos poumons s'emplir de ces vapeurs. Vous savez, je vous observe depuis un moment. Les décisions que vous avez prises m'intriguent. Et je me demande si vous êtes la personne appropriée pour une certaine mission. Quoi? J'ai envoyé une bénédiction sur Mundus, un fléau débilitant qui a infecté çà et là quelques villages bretons. Un de mes moines, l'elfe Orchendor, a été envoyé pour rassembler ces infectés. Il les a conduits à Betardams, sur mon ordre, mais depuis, il s'est détourné de moi. Je ne tolérerai aucune trahison. Ah, donc c'est bien ça. Betardams et que vous tuiez. Ok, ça me va. J'avais presque oublié la mesquinerie des mortels. Je vous remettrai un objet puissant pour cette tâche. Un écu de fabrique d'Oémer, capable de vous protéger des attaques physiques et magiques. Revenez quand l'elfe ne sera plus, et il sera à vous. Ok. Si vous m'avez entendu, allez tuer Orchendor sans perdre un instant. Ouais. Oh là, ouf. Je suis désolé pour vos yeux. Hein. Bon, bah go, hein. Petardams. Et on va lui éclater sa face. Lars. Normalement, j'en ai tué au moins deux. Let's go. Et il n'y a plus les plantes. D'accord, merveille. Superbe. Ouh. Un petit coffre, s'il est là. Je prends. Orcalium. De marrage, je crois que j'en ai déjà une, mais je vais la prendre au cas où. Ok, très bien. Let's go. Ok, alors dans cette pièce, déjà, il n'y a personne. Ce qui en soi est une bonne chose. Par contre, dégueulasse. Lars.
Ok, c'est vachement bien verrouillé, bravo à eux. Mauvaise blague. Ok, garde-la dans ta jambe. Ah. Oh, c'était poli. Merci. Wow. Oula, ça peut être dangereux, ça, monsieur. Faut se calmer. C'est dégueulasse. D'accord, donc ça, c'est une short sword. Ok, très bien. Il n'y a absolument rien dans cet endroit à piller, merveilleux. Un plaisir n'est-il point? Y a du monde un peu plus loin. Il y a une salle. Ah, bingo. Pour ce qui est de mon crochetage, il est pas en crochetage. Ouais, voilà, je l'ai même pas amélioré mon crochetage, donc tout à la mano, les gars. C'est pas. Continuons. Va aller voir. Deux. Continuer. C'est absolument dégueulasse. Cette mixture est absolument dégueulasse. Infâme. Immonde. Ok, il reste du monde un peu plus loin. Il ne vient pas vers. Oh! Oh, le. Censé toucher ça. Oula. Eda. De deux. De trois. Encore du monde dans cette gigantesque pièce. Reste un mec. Est-ce que c'est le mec en question? Eh merde. Juste en dessous là. Bien. Iron Maul. Dégueulasse. Ne m'intéresse pas le moins du monde. Hop. Ok, ça ouvre là-bas. Je m'en doutais.
Oh, armure de brigand, ça dégueule. Plus tard, peut-être. Je suis là pour purifier l'endroit. Il se passe des choses là en dessous. Un coffre. Fort bien. J'en ai déjà un. C'est tout? Ouais, je vais le prendre quand même. Ouais, c'est bon, je peux. Foudre naturalisée. Je vais le prendre aussi. Pour l'enchantement. Résistance à la foudre, parce que la résistance magique j'en ai quand même besoin. J'utilise pas de bouclier, mais... Ok, il y a encore du monde en continuant. Par là-bas aussi. J'imagine que ce doit être la suite. Y a rien ici. Ah si, y a un coffre. Ah, fuck this shit. Ah, j'aime pas ces trucs. Ça fait trop mal. Oh là là. Giga mal ces trucs là. Je me casse. Ça suffira. Ça devra suffire de toute façon. Tu te fais éclater la gueule, toi aussi. Hop. Bah les gars, bravo. Jamais visité cet endroit, c'est fou. Toi, je t'ai vu. C'est bien, tu l'as vu et maintenant tu meurs. Non mais faut mourir à un moment. Non, faut pas me vomir dessus par contre, c'est absolument dégueulasse monsieur. Faut arrêter ça. C'est absolument immonde. Il y a une porte là-bas. Ça semble être le seul chemin que j'ai. Toi, tu t'es fait pulvériser toi. Fort bien. Atelier. Allez. Oh là, là il y a du monde par contre. Beaucoup qui dorment apparemment. Hop. Plein centre de la colonne. Ça doit être peu agréable. Rien qui m'intéresse ici. Non plus. Qu'est-ce que... C'est de l'autre côté?
bizarre comme forme. Sa mère. Archerie, je crois que j'ai déjà le renfort d'archerie. Paralysie, ça j'ai pas. Je vais le prendre au cas où. Aïe. Aïe. Meurs. Trois flèches qu'il m'a fallu pour te tuer, toi. Saleté. T'as brisé ma flèche en plus. Ah non, c'est une blague. Ah putain, barrez-vous, barrez-vous. Ah. Bon sang. Bestiole. Ils sont juste derrière. Bien. Si c'est par là. La porte qui est là-haut, elle va où? Quartier supérieur? Ah. C'est une blague? Voilà, non, ce n'est pas une blague. Ok. Il y a l'air d'y avoir du monde. Un peu. Que se passe-t-il dans cette région désolée?